Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Transportiveur. Alors aujourd'hui nous allons donc s'occuper de la ligne qu'on a fait la dernière fois et on va tout de suite créer la nouvelle ligne simplement. Ah non, j'ai déjà fait? Ah mais je l'ai déjà fait, il faut que j'achète les trains, c'est vrai. Excusez-moi, my bad. On va acheter les trains tout de suite. Alors j'ai 8 millions 49. Où est mon dépôt? Il est ici. Ça va être compliqué hein, avec 8 millions 49. La loc fait 1 million. Donc c'est pas mal. Il faut que le train fasse 4 millions en gros. Et là. Oh, ça va, on devrait s'en sortir. Ah non, 4 millions. Ouais, mais j'en mets deux. Je vais mettre deux trains, je pense. Quoique. Parce que la ligne est grande quand même. Mais mettre deux trains tout de suite, c'est quand même risqué. Donc on va juste mettre un train. À la limite, on va mettre un train avec plus de voitures. On va faire ça. Un train avec plus de voitures et puis on va le mettre sur la ligne. Par contre, c'est laquelle de ligne? C'est ligne 1. Voilà, j'ai pas encore renommé la ligne. On va le faire tout de suite aussi. Non, mais vaut mieux mettre un train qui peut prendre 5000 personnes. Mais un seul train. Ça coûtera moins cher. Même si, c'est vrai que vu que la ligne est grande, on aura pu mettre. On aura pu mettre plus de trains. Je vérifie que j'ai bien mis la signalisation, tout m'a l'air correct. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oula, ça bouchonne là. Il y a du monde là. Il y a un canton là, ce serait pas du luxe. On va le mettre, on va le mettre. Ah oui, il y a les signaux français, j'ai rajouté le mode, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de date de début. Du coup, on les a déjà débloqués. Mais pas un roleplay, on va pas les mettre, hein, je vous rassure. Hop. On va mettre les signaux classiques. On les mettra quand on aura débloqué les signaux lumineux. Et on va mettre les signaux lumineux du jeu, on mettra les signaux lumineux français. Ce qui est quand même vachement, vachement plus cool d'avoir les signaux français enfin. Donc voilà. Là, c'est quoi ce train là? Un produit alimentaire, d'accord. Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, tout tourne bien là pour l'instant. Niveau argent, on est bien. J'ai pas d'emprunt. J'ai pas d'emprunt, donc c'est tout nickel. Ouais, donc c'est cool. Niveau ligne, qu'est-ce qui est pas rentable? Le bois, bah oui, comme d'hab. Les outils, c'est pas rentable. La ligne 1, faut que je la renomme. On va se la laisser là. Ça, c'est pas rentable. Modane, ça me saoule qui est pas rentable. Mais pas de grand-chose. Donc, dès que le train. Ah, quoique. Il vient d'arriver là, le train, je suppose. Où est le train? C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et il va arriver, ah bah il va être rentable alors je pense, dès que ça va arriver ça va être rentable. 29 personnes dedans, par contre c'est pas grand monde hein. On va laisser un seul train pour l'instant parce que plus c'est pas la peine. Oh les arbres qui poussent en plein milieu du décor, c'est parfait. Alors, Moudan ça me saoule qui est pas sur rentable, ouais c'est ça, ouais, faut juste temps que les trains arrivent. Donc on va déjà renommer cette ligne là, la ligne 1. Hop, voilà. On renomme, alors donc c'est Saint-Jean, juste mettre Saint-Jean, hein. On sait que c'est de Maurienne, parce qu'après ça prend trop de place. Ensuite, château, ou comment j'écris, oui c'est bon, château. Brillant, tu peux attacher, ouais, brillant. Et Vienne. Voilà. Donc le train est arrivé là, oh, nickel. Pas encore de passagers dedans, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, pas de passagers non plus. Mais la gare dessert quand même pas mal hein, de la ville, c'est intéressant. Et à Saint-Jean, une personne. Ça démarre timidement. J'en ai profité aussi du coup pour ajouter le mode brush. Donc on va peindre un peu le sol. Là, je vois déjà que c'est pas tout à fait plat. Voilà, là c'est mieux. Où c'est que ce serait pas plat encore? Voilà, on va casser un peu ça, parfait. Ça c'est dégueulasse, on y casse, voilà. Je dépense un peu d'argent en terraforming, hein. On peut se le permettre un peu maintenant. Voilà, hop. Voilà, pas tout non plus. Voilà, ça coûte déjà assez cher comme ça. Là, oui, là. Voilà. Après, j'hésite vraiment en fait à peindre parce que je me dis si on y retouche, on va tout refaire. Mais on va y peindre quand même. Et on refera tout d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Hop, les graviers.
Parce que tous les supprimer un par un, après c'est long. Hop, voilà, c'est bon. Là ensuite on est bon. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah si, c'est bon, ça arrive. Je crois à chaque fois dans cette musique là, il y a un petit blanc. Je sais pas pourquoi, mais il y a un blanc. Hop. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre que de voir toute cette herbe. Hop, là aussi au bord du dépôt. Voilà. Voilà, nickel. Ce sera l'épisode peinture. Non, on va peut-être pas faire que ça, faut que je surveille le temps. On va faire un peu, voilà, pour faire propre. On fera Modane peut-être dans un autre épisode, ou je le ferai en off, peut-être. Alors, on voit le train vient d'arriver. Faudra que je regarde combien il y a de passagers dedans. J'ai fini de tout texturer. Hop. Voilà. Hop, nickel. Alors, combien as-tu de passagers? 3 passagers pour l'instant, ouais, ouais, c'est un début timide. Un début timide. Sur le train pour remonter à 60 km/h, c'est pas mal. On voit, il a déjà fait les retours, donc vraiment un train, ouais, c'est largement suffisant. Il a déjà fait les retours, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà. On va voir si les passagers descendent à la première gare ou à la deuxième gare, ça c'est important de savoir aussi. Savoir où nos passagers vont. Faire une petite vue cabine aussi, tiens. Une petite vue cabine de temps en temps, ça fait de mal. Voilà. Je suis assez content du reste de la ligne, en tout cas. Je la trouve assez belle. Et donc pour Vienne, je me dis de faire le pont, mais je sais pas, on va voir, on verra plus tard, mais il me semble que ça va à Vienne, hein, si je me trompe pas. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de faire un pont, quoi. Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Et puis il y a moyen de faire autrement. Je pense qu'IRL ils auraient fait autrement, quoi. Surtout à cette époque-là. Non, à l'époque du TGV ils auraient tracé tout droit, mais à l'époque où je suis actuellement dans le jeu, non. Oh, mais il y a des gens, dis donc. Alors, combien de personnes descendent? 16 vides, ok. 4 personnes, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas beaucoup quand même. 4 personnes là-bas, 20 personnes. 16 personnes, nickel. De toute façon, là on a fait la gare, à moins de faire... Ah, on peut faire là, à la limite, le pont. Si on veut vraiment faire... Oh, sauvegarde automatique. Si on veut vraiment faire un pont, on peut le faire là. Bah, si jamais on veut faire un pont... Là, ok. Là, why not? On verra, on n'est pas encore là. Niveau marchandises, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? On va essayer de s'occuper de ça. Toi, c'est quoi? Toi, c'est le train de... Ah, c'est un train de voyageurs. Où est mon train de marchandises qui est là? Parce que je vois que la gare est pleine. C'est pas toi. Ah, ok. Ok, il y a un souci de capacité là. Faudrait que j'agrandisse les trains. Ouais, ouf. Ça tourne bien pour l'instant. On va laisser comme ça. Ça tourne bien. On a un surplus de marchandises. J'espère qu'ils m'en veulent pas trop. Mais on va voir. À la limite, si j'ai une deuxième usine dans le secteur, où est-ce que je pourrais avoir une deuxième usine? Ouais, mais vu comme le réseau est orienté, c'est compliqué, hein. Oh là, j'ai du bois pour ça me saoule, qui est pas... Ah bah là aussi. Ouais, mais il faut que je fasse un triangle. Ah non, maintenant je vais faire arriver au vaisseau, je vais partir dans l'autre sens. Ok, donc ça c'est good. On peut aller à l'usine là. On peut aller à l'usine là, ça pose pas de soucis. C'est juste si Saint-Jean ça pose soucis. Sauf si le train lui fait faire le tour. Ah oui, je peux faire ça. Ah mais le tour qu'il fait par contre, mais ça marcherait. Ça marcherait. Alors qu'il aurait juste à tracer tout droit, mais... Ouais, on verra plus tard. Mais sinon... Là, est-ce qu'on n'a pas une usine? Pas vraiment. Pas vraiment. Sinon, on peut continuer la voie ferrée de voyageurs jusqu'à Saint-Lô.
Ouais, on va faire ça, on va faire ça. On va continuer jusqu'à Saint-Lô. Alors, par contre, faut tout démolir là. Ouais, je prépare la voie, hop. Pas qu'ils me reconstruisent dessus. Non, je suis trop lent là. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Hop, voilà, parfait. Bon, bah, toi, on te trouve aussi, hein, on est gentil. Hop, voilà. Ah, un tunnel, non. Mais j'ai pas trop le choix en fait. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Ah, ça monte quand même beaucoup, hein. Ça monte quand même beaucoup. Non, il faudrait en mettre en x1. Ça, il faut supprimer ça. Voilà, là on monte en x1. Courbe à 80 km/h, ouais, pourquoi pas. J'aime pas les tranchées comme ça, mais j'ai pas le choix. J'aime pas trop, hein. J'ai envie de tenter un truc. Ça coûte tellement cher ce que je suis en train de faire. Ça coûte tellement cher. Et là, je ressors où là? Ok, faut que je monte. Ok, j'ai plus de sous. Ça a coûté trop cher, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on continue à monter là. J'ai fait un plus petit tunnel, mais j'ai pas le choix de faire le tunnel, hein, finalement. Mais l'avantage, c'est que là, on peut mettre une route comme ça. Voilà, et ça peut faire joli. C'est le seul avantage que j'ai trouvé à ma construction actuelle. Donc, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, la ville peut se développer là-bas. Même là aussi, je suis sûr que ça passe. Oui, ça passe. Non, ça passe pas trop. Mais ça va. Bah, ça passerait, ça passerait. Hop. Alors maintenant. Voilà, on monte progressivement. Hop. Là, on supprime ça. On va se mettre en x3 aussi maintenant. Hop. Hop. On prend la route en terre. La route en terre qui est ici. C'est dégueulasse. Non, on va le faire arriver là comme ça. Avec une pente moins raide. Voilà. Hop. Voilà. Un truc que j'ai pas percuté, mais logiquement. Ah non, on n'a pas encore les peines françaises, d'accord. On n'a pas encore les peines françaises, donc voilà. Là, il faudrait que je passe dans le creux qui est là. Ah, c'est intéressant à faire la ligne là. Hein. Ah, mais Saint-Loup, c'est là-bas. Ah, il faut que je fasse là comme ça. Ok, yes. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc, on va monter en x1. Hop. Voilà. Il y aura des tunnels à faire par contre. Hein. Là, je garantis pas une ligne sans tunnel. Voilà, rien que là par exemple, un tunnel obligatoire. Là, par contre, on monte en x1 là? Ah oui. On monte quand même beaucoup. On monte quand même beaucoup. Là, voilà, je veux du plat. Hop. Là, un petit pont. Ouais, pourquoi pas. Comment je le veux? Oh, c'est moche. Mais ce pont est moche. Ce pont est hideux. Non, ouais, j'aurais.
Ce pont, je trouve, est stylé, mais 60 km/h. Allez, on va le mettre. On va le mettre, on va le mettre. Je trouve vachement stylé. Dommage pour sa vitesse, mais il est vachement beau. Là, par rapport à Saint-Lô, je suis à quelle hauteur? Ok, je suis beaucoup plus haut. Ok, ok, ok. Ah, sauf si je mets la gare là. Si je mets la gare là-bas, à quelle hauteur je suis? Je suis encore un peu haut, ok. D'ailleurs, ouais, la gare, faut vraiment que je la mette ici. Hein. C'est le seul endroit qui est intéressant. Là, un tunnel. Allez. J'ai plus de sous, c'est pas grave. Non, voilà, on va le descendre. Oh, j'ai débloqué un bateau. Et une voiture à 3 essieux. D'accord, nickel. Ah, 600 000. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Est-ce que je suis assez descendu? Oui. Ok. Oula, j'ai beaucoup de lag là, je sais pas pourquoi. Pourquoi mon jeu a 2 FPS à nouveau? Là, c'est bon. Hop. Ah, mon jeu a des coups de lag là. Impressionnant. Allô? Ouais, c'est bon. C'est parti. Voilà, et là j'arrive là comme ça. Et j'ai plus de sous, mais la ligne est belle. La ligne est belle, mais j'ai plus de sous, voilà. C'est le défaut. Après on va continuer sur Logne, je suppose. Je verrais bien une ligne qui ferait Neuilly, Logne, Saumur. Et qui en fait longerait toute la gauche là, dans le sens où on regarde la map. Et donc nous. Ouais, il faudrait qu'on. On va s'arrêter à Saint-Lô pour l'instant, mais la gare, ouais, directement en direction de Logne ou Saumur. A voir. En tout cas, la gare, on va la faire là. Gare avancée, non? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, ok, celle-là, ça suffira. Deux voies. 160 mètres, hein. Hop. D'ailleurs, on va. Ah, c'est quand je passe la voie que ça fait ça, c'est bizarre. Je suis peut-être encore un peu haut finalement. Je sais pas comment placer la gare en fait pour qu'elle soit bien imprégnée dans la ville. Là, comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Mais c'est ou alors je l'avance là et je détruis les maisons qui sont là. Je vois que ça comme solution. Oh, j'ai plus de sous. Bon, on va attendre d'avoir des sous, hein. Ça y est, la crise est revenue. Ah mais regardez, c'est bon. On a les sous. C'est bon. La crise était de courte durée pour une fois. Ouais non mais faut que je détruise ça. Là, je place ma gare. Avec une seconde liaison routière. Faut que je me dépêche avant qu'ils reconstruisent, par contre. Ah, mais c'est haut, hein. C'est très haut. Bon, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Je suis pas fan de faire des rampes directement en sortie de gare, mais là. Là, par contre, c'est dégueulasse. Là, on n'a pas le choix en faire ça comme ça. D'ailleurs, je pense que la rampe est. Non, ça va, elle est pas dure. Non, ça va, elle c'est progressif. Ok, c'est nickel. Bon. Plus de mal, plus de peur que de mal. Ouais, juste par contre, terraformer un peu là. Hop. Voilà. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Et donc, on va mettre une aiguille provisoire. Parce que. Pour l'instant, on va servir de là pour la ligne. Voilà, juste mettre ça. Comme ça.
Pointe Trois-Raides, ok, c'est pas grave. Et ben, les trains, ils arriveront ici, puis ils repartiront ici obligatoirement, c'est pas grave. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Hop, donc là, un petit signal là. Un autre là. Assez éloigné, hein, quand même, les deux gares là. Hop, voilà. Draguignan, hop, Saint-Loup. Est-ce que je... Ouais, je prolonge la ligne qui va de Saint-Jean directement. Ouais, on va faire ça. Hop, donc c'est cette ligne-là. Il n'y a qu'un train. Peut-être en rajouter un deuxième, du coup. Donc Draguignan, hop. Saint-Lô, Draguignan. Par contre, pourquoi tu restes sur la même voie? Parce que quoi? J'ai plus une sens unique peut-être. Ouais, c'est pour ça. Ah non, toujours pas. Ah, parce que là, il n'y a pas de sens unique. Ah, par contre, ça a cassé la ligne. C'est super, ça. Alors. Draguignan, paf. Ah, quand on perd tous les passagers qui sont en attente, hein, ligne cassée. Voilà, et là, ça marche. Nickel. Du coup, j'ai pas eu tous les passagers? Eh ouais, bien sûr. C'est cool. C'est cool. Ah, mais au niveau argent, par contre, je suis tellement bien. 1,6 million. Mais ça sort d'où tout ça? Ça sort d'où? Par contre, c'est quoi ces erreurs-là? Voie coupée, voie coupée. C'est quoi ce sifflet? Il y a un sifflet, je sais pas si. Je crois en fait c'est une ancienne alerte j'ai pas désactivé de sub YouTube ou Twitch, je dirais YouTube. Donc merci à celui qui s'est abonné, hein, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à toi. Ouais, il me semble que c'est ça. Ok. Ça m'a fait peur, je me suis dit c'est quoi ce bruit là? Oui, donc route coupée. Entre Saint-Lô et Salaba. Ah oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Je vous remets la route. Alors je sais pas si ça nous pénalise financièrement. Ou c'est juste un avertissement. Je sais pas. Hop, voilà, on fait un truc comme ça. Voilà. Ok, c'est nickel. La gare dessert pas tout. Les transports routiers, c'est pas très rentable, hein. Si on regarde. Modaligne 1, pas rentable. Draguignan 1, pas rentable. Est-ce que ça vaut le coup? J'en mets un ici. Je vais pas le faire, vous me direz en commentaire. Est-ce que je mets du transport routier là, sachant que la gare est un peu éloignée? Parce que j'ai pas vraiment. Il y a 157 habitants, quoi. Donc. La ligne sera pas rentable, c'est sûr. On va voir. Ouais. On verra l'épisode prochain. Là, on voit que la ville se développe déjà un peu ici. Donc, si ça se trouve, ça peut être. Intéressant d'y faire quoi. Par contre, faut que j'ajoute un train de voyageur, je pense. Mais on n'a pas les sous. Et j'ai pas envie d'emprunter. D'ailleurs, il faut que je renomme la ligne. C'était cette ligne là. Hop, Draguignan. Hop. Saint. Oh, on va tout tâcher, ouais. Saint. L'eau. Oula, j'ai failli. Voilà. Ah non? Ah, il prend pas les accents, d'accord. Ok, c'est pas grave. Enfin, il prend pas le circonflexe. J'ai 30 voyageurs qui sont en attente pour Saint-Jean-de-Maurienne. Mais le train, je sais pas où il est le train. Il est passé où? Où est mon train? Il est où? Mais c'est pas du tout ta ligne, ça. Est-ce qu'il peut faire marche arrière au moins? Ouais, il peut. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Mais Baptiste, t'es pas net? Non mais. D'accord, ok. Bon bah il se promène. Il se promène, normal. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de train qui arrive en face, on peut le faire une petite marche arrière. D'ailleurs lui il va plus vite. Comment ça se fait? Ok, c'est la machine, ok, c'est pas la même machine. Et on voit quand même 10 km/h comme quoi ça change tout, hein. Enfin, à notre époque, regardez, on voit bien la différence entre les deux trains. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser, pardon, là-dessus pour cet épisode. On se donne rendez-vous la prochaine pour la suite. Je vous dis à la prochaine, du coup. Et salut tout le monde!